On a parlé d'une façon dont les attentes d'un expérimentateur peuvent affecter les participants. Les attentes de l'expérimentateur peuvent aussi modifier le comportement des participants à travers le biais de désirabilité sociale. Le biais de désirabilité sociale est un biais qui consiste à vouloir se présenter sous un jour favorable à ses interlocuteurs. Ce mécanisme psychologique peut s'exercer de façon implicite, sans qu'on en ait conscience, ou au contraire être le résultat d'une volonté consciente de manipuler son image aux yeux des autres. Donc un participant pourrait se plier aux attentes de l'expérimentateur plutôt que d'agir de manière naturelle s'il sait ce qu'on attend de lui. On voit ça par exemple quand les participants répondent à des questionnaires de personnalité. Donc plutôt que de donner des vraies réponses qui reflètent la réalité, certains participants peuvent donner des réponses idéales. Donc par exemple à la question « Êtes-vous quelqu'un de généreux ?», la plupart des participants diront « Oui » plutôt que « Non ». Donc après avoir vu ces biais dans la recherche, on va parler de trois principes qui sont nécessaires pour qu'une recherche scientifique soit rigoureuse. Il faut qu'elle soit réplicable, prédictive et falsifiable.